Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo qui va être assez courte. On va voir ici comment faire pour mettre deux fenêtres l'une à côté de l'autre. On se retrouve ici avec d'un côté de la musique sur YouTube et de l'autre côté le dossier image de l'ordinateur. Pour pouvoir séparer les deux fenêtres, on va simplement cliquer dans la partie vide qui est entre le titre et les petites icônes. On clique, on reste cliqué et on l'emmène complètement du côté voulu, donc ici à droite. On voit le rectangle translucide apparaître, on relâche. De l'autre côté, on va avoir la deuxième fenêtre que je voudrais mettre sur l'autre moitié. Donc de la même façon, je vais cliquer dans la partie vide de la barre des titres, venir complètement à gauche, et quand je vois le rectangle translucide, je relâche. Ce qui fait qu'ici, je peux et regarder une vidéo en écoutant sa musique, et par exemple ranger des photos ou autre. Sous Windows 10, il va y avoir une légère différence. C'est que quand on va mettre la fenêtre d'un côté, on va avoir la proposition, une proposition, un choix, qui va nous permettre de mettre la fenêtre voulue juste en cliquant dessus de l'autre côté. Donc par exemple, si je viens cliquer sur le fiche de cours, ça va se mettre automatiquement de l'autre côté. Voilà, concrètement, c'est tout ce qu'il y a à savoir. Ça fonctionne avec toutes les fenêtres, donc que ce soit les fenêtres de l'Explorer, donc les images, musique, etc., ou que ce soit les fenêtres d'Internet. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.